Le bateau ivoirien est capturé dans les eaux territoriales guinéennes. Les 20 membres d'équipage sont accusés d'avoir voulu enlever l'ancien président du Ghana, Kwame Nkrumah, réfugié en Guinée. Le président du Libéria fut chargé d'entretenir une diplomatie souterraine aux fins de la libération des marins, ensuite favorable. C'est alors qu'officiellement, la Côte d'Ivoire nia n'avoir jamais eu connaissance d'un quelconque projet d'enlèvement de Kwame Nkrumah. Revenons-en au conflit diplomatique qui battait son plein avec les accusations du président de l'Assemblée nationale guinéenne. Dès le lendemain, le 16 novembre 1965, le ministre ivoirien de l'information, Mathieu Ekra, dénonce de très graves accusations, des injures et exhorte le président Oufouette à répondre à ces calomnies proférées contre sa personne et contre la Côte d'Ivoire. Le 17 novembre, démenti d'Oufouette niant toute implication dans le complot. Il pousse le bouchon en affirmant qu'à travers cette affaire, Sékou Touré comptait masquer son incompétence et son échec dans sa gestion politique, économique et dans ce contexte qu'intervient l'affaire du Kérisper, un navire de pêche offert par la France à la Côte d'Ivoire. Le 19 février 1967, en effet, un an après le putsch contre Nkrumah, le bateau ivoirien est capturé dans les eaux territoriales guinéennes. Les 20 membres d'équipage, un Ivoirien, deux Français, deux Maliens, deux Togolais, deux Voltaïques et 11 Ghanéens sont accusés d'avoir voulu enlever l'ancien président du Ghana, Kwame Nkrumah, réfugiés en Guinée. Le gouvernement ivoirien prétendit que ce bâtiment se trouvait dans les eaux guinéennes à la suite du mauvais temps. Le président du Libéria fut chargé d'entretenir une diplomatie souterraine aux fins de la libération des marins, sans suite favorable. C'est alors qu'officiellement, la Côte d'Ivoire nia n'avoir jamais eu connaissance d'un quelconque projet d'enlèvement de Kwame Nkrumah. Résultat à l'arrivée, Guinée 2, Côte d'Ivoire 0. Jusqu'ici, Abidjan semble en ballottage défavorable. Kamano, un ressortissant ivoirien, est condamné à 15 ans de prison en Guinée et un navire battant pavillon ivoirien est arraisonné et son équipage détenu par les autorités guinéennes. Bientôt, Félix Houphouët-Boigny allait frapper un coup qui compte double. Le 26 juin 1967, le ministre des Affaires étrangères de Guinée, M. Béavogui Lansana, et l'ambassadeur représentant permanent de la Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies, M. H.K. Marof, furent mis en état d'arrestation à Abidjan, où l'avion de la KLM, à bord duquel ils voyageaient, avait été détourné pour des raisons de mauvais temps. En même temps qu'eux, on arrêta un fonctionnaire international de l'Union Postale Universelle de nationalité guinéenne, M. Monlouis, accompagné de toute sa famille. On arrêta aussi un étudiant guinéen, M. Sissé Ansouman, il rejoignait son pays après avoir terminé ses études en Suisse. Béavogui revenait d'une mission officielle accomplie dans le cadre de l'ONU. HK, lui, se rendait d'abord en Tanzanie puis en Zambie en sa qualité de président du comité spécial chargé d'étudier la pratique de la politique d'apartheid par le gouvernement sud-africain. Sékou Touré proteste avec vigueur contre cette arrestation et affirme que l'équipage hollandais a détourné l'avion à la demande des autorités ivoiriennes. Il ajoute que la détention de Kamano Kata François est liée à un complot d'assassinat fomenté par Houphouët-Boigny. Le 30 juin, les autorités ivoiriennes assument l'arrestation en la qualifiant de conséquence immédiate de la détention de citoyens ivoiriens en Guinée depuis au moins 2 ans. C'était selon elle le seul moyen de ramener Sékou Touré à la table des négociations. Elle rajoute que ces citoyens guinéens
aurait pénétré en territoire ivoirien sans visa de transit. C'était donc une violation flagrante de la législation ivoirienne en matière d'entrée et de séjour des étrangers, quelle que soit leur qualité, sur le territoire national. Toujours selon elle, dans un contexte aussi tendu entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, la présence sur le sol ivoirien de deux personnalités guinéennes de si haut rang avait tout de suspect. Selon le rapport du commandant de bord de l'avion numéro 85 de la compagnie KLM, le temps était marqué par de très forts vents. C'est dans ces mauvaises conditions météorologiques que l'avion quittant Las Palmas arriva à proximité de Conakry. Il transportait des passagers de diverses nationalités, dont des Guinéens. À Monrovia au Libéria, la météo n'était pas meilleure. Il fut alors proposé d'atterrir à Accra au Ghana. La délégation guinéenne opposa un refus catégorique à cette idée. En effet, les relations étaient depuis peu délétères entre la Guinée et le Ghana, dirigées par les putschistes qui avaient renversé Nkrumah. Dès lors, Abidjan, où le temps était favorable, devint la seule alternative. Une fois à Abidjan, tous les passagers furent logés dans des hôtels. Le lendemain, tous furent autorisés à retourner via la compagnie Air Afrique, sauf les passagers à destination de Conakry. Les prisonniers seront retenus pendant 92 jours, mais dans des conditions nettement meilleures par rapport à celles de Kamano au camp Boiro. En effet, la délégation guinéenne mène sa résidence surveillée dans deux villas des hôtes de marque de la Côte d'Ivoire, à proximité de la résidence privée de Félix Houphouët-Boigny à Cocody. La Guinée protesta à l'ONU et attaqua la société des transports aériens KLM pour avoir échoué à remplir le contrat qu'il a lié avec les passagers guinéens, c'est-à-dire les mener à bon port en Guinée. Elle mit aux arrêts le représentant de la Hollande en Guinée, ainsi que la direction KLM Conakry. Sékou Touré et même l'ONU ne réussirent pas néanmoins à faire fléchir la Côte d'Ivoire sur une dissociation des affaires Kamano et Kérisper. En dépit des vives protestations de Sékou Touré, de l'intervention de l'OIA et du secrétaire général de l'ONU, la Côte d'Ivoire ne fléchit point. Les conditions posées par le gouvernement ivoirien furent acceptées et les deux affaires demeurèrent liées. Le 3 juillet 1967, Arsène Achère Assouan considère la détention de son homologue guinéen Béavogui et d'Achkar Marov comme le seul moyen de forcer Sékou Touré à libérer les Ivoiriens qu'il détient sans justification. La Côte d'Ivoire reçut une condamnation générale en raison d'une violation de la section 2 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et l'article 40 de la Convention de Vienne. Quatre jours plus tard, Sékou Touré fléchit et déclare accepter la médiation proposée par le Libéria, le Niger et le Mali. La situation se dénoue enfin. Le 20 septembre 1967, lors de la libération des Ivoiriens, Sékou Touré pouvait dire « Les Guinéens et les Ivoiriens sont deux peuples frères, deux peuples liés depuis toujours par la géographie, l'économie, la culture et l'histoire. Avant et durant l'odieuse domination coloniale qu'ils ont subie dans le même temps, l'un et l'autre, les deux peuples ont partagé plus d'une joie et plus d'une souffrance en raison des liens séculaires qui identifiaient dans un même destin leur raison de vivre, leur lutte et leurs aspirations. » Le 22 septembre, le navire ivoirien et son équipage quittèrent Conakry pour Abidjan. Kamano décolla de Conakry à destination de Dakar et arriva en Côte d'Ivoire le 26 septembre 1967. Le même jour, la délégation guinéenne regagna Conakry, accueillie par une foule en liasse.